être aussi avancé et pas de coéquipier pour couvrir la ligne bleue comme tel. Wow. Le Canadien qui contre-attaque. Oh, il a tiré le but! Mais là, Blackwood a paru très faible là-dessus, mais peu importe, c'est l'égalité. Et qui d'autre que Brendan Gallagher qui remet les pendules à l'heure? Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a mis aucun temps à créer l'égalité et assurer la réplique. D'un angle difficile, la rondelle échappe à Blackwood et lui-même, en voulant regagner le poteau à sa gauche, va pousser cette rondelle dans le filet avec la jambière droite, l'arrière de la jambe droite. Le trio qui avait donné le ton le reprend immédiatement. Et ça, c'est de bon augure pour la suite des choses. Sortir d'une séquence de défaites, ce n'est jamais évident et ça arrive rarement dans un scénario parfait. Il y aura des tests de caractère au passage et le Canadien répond au premier. Et l'important, c'est de répondre, peu importe la beauté du but, exact, pour les faits saillants, n'est-ce pas? Les deux buts marqués en 22 secondes, Marc, tu allais me le demander. Oui, bien évidemment. Alors, c'est fait, les deux buts en 22 secondes. Et finalement, celui qui a amorcé le jeu, c'est Zay Jack, oui, qui était exact en fond de territoire. Donc, c'était pas le défenseur. C'est lui qui avait été... J'attendais le prochain sifflet pour pouvoir vous le remonter. Oui, mais là, le Canadien marque. Alors, je suis certain qu'à la maison, vous ne nous en voudrez pas. C'est Zay Jack qui a fait le lob, qui a flairé l'occasion et qui a lancé Gousseff et Coleman dans deux contre. Mais ça n'enlève rien à la beauté de son jeu.